À l'école, dessous l'arbre à Palabre, se sont regroupés ce 1er juillet 2024 les passionnés du coaching intégral pour apprendre sur le thème « Le super pouvoir de l'être humain ». Aussitôt l'équipe FIAD Amérique connectée, le coach Aïchata Mahmoud ouvre le bal avec l'exécution du credo des ambassadeurs du développement. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Juste après cet hommage rendu au FIAD, les privilégiés s'imprègnent des paroles positives à travers un puissant atelier de programmation guidé du coach Régine Priso. Je reconnais Dieu uniquement Dieu. Je reconnais Dieu uniquement Dieu. Comme ma substance, ma source et mon soutien. Comme mot de bienvenue, le coach Eklou Mohamed, MC de la soirée, invite tout un chacun à rester attentif aux enseignements de la soirée. Je tiens à remercier tout un chacun d'avoir consacré du temps pour l'essentiel d'être ici ce soir, ce premier lundi du mois de juillet. Le thème de la séance est le super pouvoir de l'être humain. Comment rester connecté à Dieu pour vivre le coaching et partager le coaching. Et j'invite tout un chacun à vraiment être ici afin de nous enrichir et de pouvoir aller de l'avant ensemble avec les outils du coaching. C'est maintenant le moment pour le coach Erline Labranche de donner les raisons de son amour pour le FIAD. Écoutons. Le 6 avril dernier, j'ai perdu tous mes documents. Je disais dans toute la rue de New York, aussi vrai que Dieu est Dieu, ces documents-là ne sont pas perdus. Je dormis, je dis cette phrase. En marchant, je le disais encore. Mon cousin, qui est chez moi, disait, mais pourquoi tu disais aussi vrai que je me dis, oui, mes documents ne sont pas perdus. Une personne qui participe au FIAD, moi, ne peut pas perdre ces documents-là. Dimanche, j'ai passé dans la maison où nous étions habités. Parce que nous avons habité dans une maison qui a pris feu. Mais la cuisine était en feu. On laisse cette maison-là, on est allé habiter dans notre endroit. J'ai passé, on commençait à restaurer cette maison. Mais moi-même, j'ai passé dans la maison-là. Et puis, je voyais, on a mis ce parquet pour moi dans la porte de l'évangile. Ah, aussi vrai que Dieu est Dieu, mes documents ne sont pas perdus. Le pouvoir de la répétition, c'est le thème choisi par le coach Salimou Amoussa dans l'unique exhortation du jour. Le seul fait de répéter chaque fois quelque chose fait que nous ne commençons pas à agir dans le sens de la réalisation de ce que nous répétons. Parce que nous commençons par croire quand la chose devient répétitive. Et donc, on commence par agir dans son sens. Nous devons faire très attention au-delà de la programmation. Nous devons faire attention aux différents mots que nous employons chaque jour, même pour s'amuser. Parce que votre cerveau ne connaît pas la différence entre ce qui est réel, ce qui est imaginaire, ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, lorsque vous commencez par porter plainte à ce genre de choses, vous êtes en train d'attirer ça dans votre vie. Et donc, je voudrais inviter chacun de nous à répéter les choses positives sur nous-mêmes. Place à présent au développement du thème de la semaine, le super pouvoir de l'être humain. Pour plus de compréhension, le choix est porté sur le coach Eklou Mohamed, coordonnateur dans une ONG aux États-Unis. Il y a la divinité en tout un chacun de nous. Et c'est cette divinité-là qui nous donne le super pouvoir. Mais souvent, nous sommes préoccupés et nous oublions notre héritage divin. Et c'est là où nous subissons tout simplement tout ce qui nous arrive comme situation. Nous avons tous les outils en nous. Mais pour les appliquer, pour avoir des résultats, il faut que nous soyons connectés à la source. Nous soyons connectés à la divinité qui est en nous. Le super pouvoir ne peut être obtenu que par la connexion à la divinité qui est en nous. Et comment garder cette connexion? L'application du coaching, l'application des outils du coaching, la programmation et tous les autres outils du coaching. Continuons d'être connectés, continuons d'activer la divinité en nous, continuons d'utiliser les outils du coaching
pour continuer toujours d'utiliser ce pouvoir, ce super pouvoir qui est en tout un chacun de nous, mais dormant. Nous avons les outils pour réveiller ce pouvoir, pour nous transformer nous-mêmes d'abord, influencer notre entourage et de là influencer le monde. Avant de refermer les portes de cette séance du donner et du recevoir, quelques privilégiés exposent leur avis et commentaires. Dieu a déjà pris les dispositions pour pouvoir accomplir sa part de responsabilité. Et c'est nous, êtres humains, qui devons commencer par jouer notre partition pour que le jeu complet soit joué. Donc le tout ne suffit pas de savoir que j'ai un pouvoir. L'important est de savoir que le pouvoir dont on m'a doté doit me servir à quelque chose et de tout faire pour pouvoir l'utiliser. Le super pouvoir de l'être humain. Je dois savoir que je ne suis pas seul. Cette carapace que je vois là, je ne suis pas seul. Que cette carapace que je vois là, il y a Dieu dedans. Je suis avec Dieu. Résolu à user en permanence de ce super pouvoir qui n'est autre que les outils du coaching dont la programmation, les participants se séparent et se donnent rendez-vous au grand événement transformateur, le sommet mondial du coaching.